Aujourd'hui, 20 ans, jour pour jour, la famille ainsi que tout le pays se souviennent de cette tragique journée du 16 janvier 2001. En pensant à cette journée, une journée noire, sombre et triste, je me permets de dire comme Job, je maudis la journée du 16 janvier 2001. Chaque mois de janvier qui arrive, je ne cesse de me poser la question de savoir pourquoi nous est venu pour mourir 3 ans après et nous laisser en plein milieu de la route. Mais en lisant la Bible et surtout le livre d'Exode, j'arrive à 2 conclusions. La première, l'histoire de notre pays dans laquelle nous jouons un grand rôle est semblable à cet Israël de Moïse. 2. Nous est venu pour un but précis et sa mission était bien définie par Dieu. En lisant le chapitre 3 du livre d'Exode, nous trouvons Dieu en conversation avec un homme et cet homme-là était un fugitif poursuivi par le pharaon pour avoir assassiné quelqu'un. Et cet homme va se cacher très loin chez son beau-père, Jethro. C'est là que Dieu abandonne tout le monde, les justes, les pieux, tous ceux qui se disent grands. Il va suivre le fugitif et lui dit, écoute Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui a l'Égypte. J'ai entendu les cris. J'ai vu les souffrances que nous font pousser les oppresseurs, Car je connais ces douleurs. Moi-même, Dieu, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans ce beau pays vaste où coule le lait et le miel. Dans les lieux où habitent même les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phéréziens et les Égyptiens. Mes amis, Dieu dit, je connais. Dieu dit, j'ai vu l'oppression. Et Dieu dit, j'ai entendu. Et Dieu dit, je suis descendu pour sauver. Et quand Dieu dit ça, alors Moïse est content que Dieu vraiment il descend lui-même. Quand son père était assassiné pour ce pays, la République démocratique du Congo, il a refusé de cautionner la dictature et l'oppression et il a pris la route du maquis. Là où il était, ceux qui sont restés derrière les Aïrois souffraient sous l'oppression, la dictature mongolienne. Oui, nous avons souffert, parfois nous oublions,
Quand nous célébrons ce jour, nous devons ouvrir notre mémoire. Il y a un temps, ici au Katanga, moi j'étais à Kalemi, nous mangeons le boulongoulé. Tu connais le boulongoulé? Merci. Nous mangeons les vimba dans ce pays. Nous mangeons les kabuchungu dans ce pays. Il y a eu un temps que tous les Congolais étaient des millionnaires. Tous les Congolais étaient des milliardaires. Tu mets la main dans la poche, tu sors des millions. Si dans un pays, tout le monde est millionnaire, c'est que tout le monde est pauvre. Avec l'argent que nous avions, tu peux acheter un pain le matin et le soir, on te dit que tu dois doubler. Nous allons partir avec ça. Il n'y a pas de jeep, il n'y a pas de blindé, il n'y a rien. Vous allez tous porter ça. Et avec ça, nous allons chasser la dictature. On peut tout dire aujourd'hui. Ça, c'est des combats. La dictature ne gagne pas. Ça, c'est un soulier de la révolution. Et j'invite les jeunes gens, chaque mois de janvier, portez ces chaussures pour dire à ces gens-là que c'est ça qui vous a sauvés. Et c'est ça. Ne vous sentez pas humilié ni diminué quand vous portez cette chaussure de la libération. Alors vous êtes là. Il dit, mais bon, fils. Il dit, Joseph, écoute, tu vas aller avec nous. Les gens ben, il a pris le père. Il dit, papa, qu'est-ce que je fais? Pas la paix là. Et Joseph va arriver et dit, mais papa, ça semble être gros. Va prendre. Tu vois là. Il y a des tissus là que ta maman utilise pour nettoyer la maison. Coupe. Mets dedans. Ça va arriver là-bas. Et ce sera ton numéro. La mission avait été très bien définie par Dieu, mettre fin à la dictature et installer une démocratie dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel n'a pas été obtenu ni par la conquête militaire, ni par une force de front. C'était une promesse de Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob que je donnerai un pays à toi et à ta descendance. C'était la volonté de Dieu lui-même de leur donner un pays. Et là, le monde avait beaucoup de pays. La terre est énorme. Mais il a choisi ce morceau-là de peuple de terre pour donner aux enfants d'Israël. Mais il dit, il y a des gens qui y habitent. Les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éthiens, les Égyptiens. Ces gens-là, ce n'est pas leur pays. Ils habitent là-bas, mais leur pays est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait très bien suivi? Nous pouvons avoir les Cananéens ici. Nous pouvons avoir les Éthiens ici. Les Amoréens ici. Les Phéréziens ici. Mais cette terre n'est pas la leur. Et Dieu a donné cette terre à un peuple bien défini. Cette terre du Canada. J'ai dit aux Cananéens. J'ai dit aux Phéréziens. J'ai dit aux Égyptiens, vous pouvez habiter le Canaan. Mais ce pays appartient aux Cananéens. C'est la terre que Dieu a donnée à ce peuple. C'est là que Dieu a fait appel à nos ancêtres. Ce n'était pas un don de quelqu'un. Ça n'a été ni les dons de la Belgique, ni les dons des Nations Unies, ni c'est les dons de Dieu. Il a donné ça à moi, diable, il a donné ça à cette chanson, il a donné ça à mon père, et il a dit, ça, vous allez mériter
Est-ce qu'on peut me suivre? Dieu est bon. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Je vais dire à l'oppression.
Je vais dire à la violence systémique. Je vais dire à ceux qui nous humilient. À ceux qui font la politique d'humiliation, d'exclusion, que vous ne pouvez rien changer devant la volonté de Dieu. Vous ne pouvez rien changer. Vous voyez, la Constitution a voulu nous donner quelques autres noms. Mais elle n'a pas la force d'effacer la corde katangaise qui est en nous et qui vibre aujourd'hui très fort. D'ailleurs, c'est cette constitution-là qui nous allait atteindre les promesses, qui nous a encore plus renforcés. Vous trouvez les mêmes sentiments au Tanganyika, les mêmes sentiments au Lualaba, les mêmes sentiments ici, et ils se disent, nous sommes katangais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est peur. Est-ce que c'est de votre faute que partout c'est sec et que le lait et le miel coulent? C'est de votre faute. Nous ne pouvons que louer Dieu. Nous ne pouvons que louer Dieu. Et nous rester fidèles. Chers camarades, Excellence, mes seigneurs, en donnant la terre aux enfants d'Israël, Dieu leur a donné des conditions. Il a donné un certain nombre de conditions. Oui, je vous donne la terre, mais vous devez remplir certaines conditions pour y vivre. Sinon, vous perdez la terre. Katangé, écoutez-moi. C'est bien beau d'applaudir, de dire que nous avons la terre. Mais cette terre, nous ne l'avons pas eue sans condition. Il y a des conditions que nous devons remplir pour garder cette terre et la posséder et y vivre. Ces règles sont des normes de la vie dans la terre katangaise qui sont les lois que nous devons respecter. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, Moïse dit ceci. Je vais résumer ça. Ce n'est pas à cause de votre grandeur. C'est un petit peuple. Ce n'est pas à cause de quoi nous sommes. C'est par l'amour de Dieu. Et ces dieux-là, ils bénissent jusqu'à 1000 générations. Mais si vous ne l'obéissez pas, vous perdez cette terre. Et vous n'y vivrez pas. Vous la perdrez. Et ça va partir pour toujours. Je vais donner quelques points qui vont nous aider à vivre sur notre terre. Si nous voulons garder cette terre et continuer à être fiers et la posséder. D'abord, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons bien traiter l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même si nous avons la terre, nous avons cette responsabilité de ne pas opprimer l'étranger, d'avoir compassion à la veuve et à l'orphelin. Nous aimer et nous demander mutuellement pardon. Nous devons arrêter nos divisions. Nos parents avaient l'indépendance, amen. Avec leur pays, amen. Mais à cause des divisions, des querelles, nous avons perdu notre pays et nous voici aujourd'hui devenus Congolais. Nous avons notre pays. Mais nous l'avons perdu à cause des divisions. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes combattus et divisés. Nous-mêmes avons été auteurs, nous Katangais, de fragiliser le pouvoir que nous avions. Nous nous sommes divisés et le pouvoir est parti. Le pouvoir est parti. Nous avons été tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. Nous, notre leader avait tout, nous avions tout, 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 tout. Mais nous nous sommes divisés. Chers Katangais, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de quoi nous possédons, et ce que nous pouvons donner
Nous n'allons jamais garder ces terres. J'ai donc le message à tous les autres qui ont pris notre pays. Si vous voulez que Satan continue à être dans la même décès pour toujours, et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez chez vous, le mien et le mien, je vais du haut de cette terre, devant mon Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous cataguer, et qui vont nous pousser à couper. Je vais terminer avec un dernier mot.
aider des amis, des compagnons. Mais quand l'autre a commencé à avoir de l'argent et des biens, eh bien, Abraham s'est arrondi. Est-ce que vous pouvez applaudir, Seigneur? C'est la fin. Je vais arrêter. Mon évêque me regarde et me dit, pasteur, je vais t'arrêter maintenant. Il dit, c'est pas vraiment. Et Abraham lui choisit, l'autre choisit la terre qui était belle, visible. Elle était belle, visible. Mais c'était son nom et mon nom. Et Abraham est resté. Quand il est devenu Sodome et Gomorre, heureusement qu'Abraham est allé sauver l'autre. Mais la femme de l'autre est dans la voie à une statue de sel. Vous qui partez, vous allez à Sodome. Nous vous souhaitons un bon voyage à Sodome. Jamais. Et le but, c'est avoir la terre promise.